Secondo me non doit. Ou accueillir l'eau de la terre, l'excès d'eau qui nous inonde, l'excès d'eau qui nous inonde. Le marais est là pour l'accueillir. Le marais, c'est bon pour nous aider. Le marais contient un excès d'eau. C'est pas seulement ça. Le marais est bon. Il est bon, il est bon. Cela dépend. Le marais peut nous être utile aussi. Peut nous être utile. Je dis non, les habitants du marais, les enfants, les peaux, les poissons, un tas d'animaux, tous vos désabris. Le marais s'instituait, saturé d'eau. Et tous ces habitants-là du marais font l'éloge de cet espace. Des arbres, quelques arbres, trouver des quelques arbres géants, de gros troncs, des géants d'arbres qui sont là comme pour protéger mon mari. Habitants. Toutes sortes d'animaux aquatiques,
Et on a principalement les algues. Qui ressemblent à des feuilles, ce ne sont pas principalement des feuilles, ce sont des organismes qui vivent. Ce sont des protéines qui sont importantes. So, ne vous inquiétez pas de voir des arbres grandir. On peut voir même des fleurs pour égayer ce coin de terre, cette terre pleine d'eau. On sent qu'il y a un esprit. L'esprit de cette zone. Le vent souffle. Quand le vent souffle, on a l'impression qu'on a un chuchotement à l'oreille. Qu'on entend quelqu'un parler. Le marais. La source est très loin, la source d'eau est très loin, la rivière est très loin, mais on peut, l'eau est stagnante, mais on peut sentir qu'il y a quelque chose qui coulait. On peut sentir. Et le soleil se met de la partie pour bénir tout ce qui forme de la nature. Sur des animaux différents, ça peut voiser, habiter ensemble. Les poissons, les habitants du marais, c'est un paradis. Un paradis sur terre. Et pour les scientifiques, ça représente le ciel. Pour l'écologie, quelque chose d'important. C'est une eau claire qui provient de la source qui y passe, de la rivière, de l'eau claire. Ce n'est pas n'importe quelle eau qui coule dans le marais, précisément le marais que j'ai visité. Et il y a la brise qui nous caressait le visage. La brise, quand la brise passe, on ressent l'éternité à ce coin de terre. Mais il ne faut pas aller trop loin. Se risquer de rentrer parce que c'est une terre.
sait pas qui a une profondeur, on ne sait pas où on peut aller en mettant les pieds dans cette terre boueuse. Et si encore on voyait un escalier descendre, n'y allez pas. N'y allez pas. Mais cette couille qui peut pousser notre curiosité. Ainsi donc, on ne peut pas aller au marais seulement. Réfléchir, pour méditer, c'est un milieu qui peut être dangereux. Ainsi donc, j'y étais allé. Et j'étais resté juste le temps d'admirer. Pas beaucoup. Ce qu'on pouvait sentir, une présence. On sentait qu'on était observé. Par qui, par quoi? On voyait les oiseaux voler. On croit entendre quand la brise passe, la brise nous apporte des échos, des voix, des chuchotements. C'est comme si c'était un monde irréel.